Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Lucas Sport, on entame notre épisode numéro 4 avec le Jazz d'Utah, où on avait très très bien fini. On est sur une série de 6 victoires de suite. Autant dire qu'on est juste en pleine forme. Et là, on affronte les gros de l'Ouest, du très très lourd avec OKC en back-to-back, donc deux fois de suite. Les Spurs, les Pelicans. Les Nuggets, ça devrait un petit peu plus être facile, mais attention, les Nuggets, c'est jamais facile d'aller... Est-ce qu'on joue chez eux? Non, on joue chez nous, ça, puisqu'ils jouent en altitude, les Nuggets, ça faut le savoir. Et ça déstabilise pas mal de monde, et à ce qui paraît, il y aurait un petit souci. D'ailleurs, en plus là-dessus, pour de vrai, en NBA, essayer de régler ça. Mais bon, nous, on joue à domicile, donc en vrai, ça devrait le faire. On a Phoenix à côté, c'est pas dégueu, Phoenix, faudra faire attention, on joue chez nous encore une fois. Et on se déplacera chez les Warriors, puis les Clippers, et après on ira faire un petit tour du côté de chez Wizards, donc on, des Sixers. Ça devrait un peu plus se calmer après, mais alors là, les trois semaines, vont être très 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 dures. Enfin bref, cesse de bavardage, on va tout de suite commencer. Je ne sais plus tellement où on était resté là-dessus, on va juste... Je voulais voir si de loin des joueurs ça se passait correctement. Oui, ça va avoir Booker qui a peut-être augmenté. Ok, c'est pas dégueu. Moi, tiens, je voulais faire un petit point sur les statistiques leader de la ligue. J'ai pas trop fait ce point là. Ça peut être intéressant pour voir. Ça peut être voir si un peu ça reprend un peu comme pour de vrai. Les statistiques, alors on a du Paul George qui a augmenté aussi, mais un meilleur marqueur c'est Damien Lillard qui est très balèze quand même, hein, qui me rappelle un peu un Allen Iverson qui arrivait à porter son équipe avec un joueur qui était loin d'avoir une énorme taille et une qualité physique énorme. Et ouais, ça me rappelle un peu lui, il est quand même à 10 passes de moyenne, 31 points. En mon avis, il doit être le meilleur passeur de la ligue, meilleur score de la ligue. Et 4,5 rebonds. Bon, par contre, ah ouf, 5,3 pertes de balles. Alors, j'aimerais bien voir le nombre de possessions. On se tire par match. Réussi contre 24 tentés. Alors, ça va, il shoot quand même avec un beau pourcentage pour un 9,3 points tentés. 34%. 41 minutes de jeu, c'est juste énorme ce qu'il fait. Et c'est énorme parce que les stats, il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas tout ça en statistique l'année dernière. En tout cas, là, c'est bien intéressant. Regardez les pourcentages de tirs adverses. En gros, ça met un peu le meilleur défenseur. Le meilleur défenseur. Ça me paraît un peu bizarre, ça soit. Si je comprends bien. J'aurais bien vu des autres meilleurs joueurs. Enfin bon. Et du coup j'ai tout coupé. On a du Kevin Durant derrière. Alors là ça va se tirer à la bourre pour le MVP, ça c'est sûr et certain. Alors, par contre Kevin Durant a 8,3 passes D, tout qu'ils ont fumé là dessus quand même. Faut pas déconner, 1,6 contre 1,9 interception. Ah et puis il est le meilleur intercepteur de la ligue en plus. Et on voit Brandon Knight aussi, il est très très bon lui. Pourquoi pas le MIP? Je le mettrais bien lui pour de vrai en MIP lui, hein. Brandon Knight très très bon. Anthony Davis, Stephen Curry, DeRozan tiens qui est là, Isaiah Thomas aussi, J-Lo qui est à fort ball, il sera un rookie de l'année, ça c'est sûr certain. Et Kemba Walker qui est aussi là. Jeff Green a plus de 20 points par match et Marc Gasol également. Ah lui c'est plus de 20 points par match. Et je crois que c'est Westbrook qui est un peu écarté avec 19 points. Et nous, notre première, c'est Gordon Hayward avec 18,5 points de moyenne. Cette année qui a un peu le mal à être régulier. Mais qui est tout de même très bon, faut l'avouer. Et Alec Burke est là aussi, 16,5 points. C'est plutôt pas mal tout ça, c'est plutôt vraiment pas mal. Pour sur le classement, on avait dû en faire un sur la dernière vidéo, mais je refais un comme ça vite fait. Pour vous situer un peu,
N'empêche, regardez, notre différentiel est très très 2,9 contrairement aux Clippers qui survolent. Et 18. C'est énorme. Nous, c'est vrai que ça joue à peu de choses nos matchs. Hein. Mais on est toujours là. Ça fait plaisir. Alors, on va attaquer le premier match tout de suite. Ah, alors que Tibor Place, il veut nous parler. Sont trop faciles. Alors, les entraînements sont trop faciles. Ah oui, c'est vrai qu'on avait peu d'entraînement là-dessus. Donc, je crois que je les avais déjà augmentés. Si je dis pas de bêtises, voilà. Je les avais déjà augmentés parce qu'on s'était déjà plein. Mais là, on a plus d'entraînement pendant très longtemps, je m'en rappelle. Alors, une offre des Mavs. Mais allez-vous faire? Gentiment dit. Alors, que va-t-on faire? Alors, est-ce qu'il a été blessé? Serge Ibaka est blessé et Kevin Durant est incertain. Je pense que Durant va se jouer et Ibaka ne sera pas là. Donc, ça peut être intéressant pour nous. D'accentuer sur le poste 4. On va peut-être baisser un peu Trace Dice. Jeff Whitney aussi. Trevor Booker, je sais pas pourquoi je le sens bien dans ce match. On va mettre Alec Burke. On va faire comme ceci. Voilà, on va faire ça. C'est parti donc pour ce match. Face au Thunder, je crois qu'on les a fait taper une première fois. Ou on s'était fait taper, je sais plus. Je sais pas du tout fait. Mais on les a déjà joués. J'en suis certain. Alors, c'est très très serré. Malheureusement, on perd. Malheureusement, on perd. Stray Burke qui fait un gros match. Et non, Durant n'est pas là. Durant n'est pas là et on perd. C'est Anthony Moreau qui nous sort. Là, faut arrêter les conneries. C'est Anthony Moreau qui nous sort son gros match. Durant, Westbrook qui est là. Nick, c'est pas normal, on a pas le droit de se faire poutrer par ça quand même. Là, je suis désolé, les gars. Alors, nous, c'est Traber qui joue bien. Ouais, Booker, je vous l'ai dit qu'il avait fait un bon match. Et Jeff Winnick qui était présent. Ouais, Trace Lice, c'est Alec Burke qu'on va baisser. Alors, Trace Lice et Alec Burke. Joe Ingles aussi que je voulais baisser. Tyke Favors. Alors, on va faire comme ceci. Est-ce qu'on les bloque à 3 points? C'est une des solutions. Travailler la défense, limiter extérieur. On va voir ce que ça va gérer. Est-ce qu'on peut carrément faire homme à homme? Comment on peut faire précisément? Ah, paramètre défensif, parfait. Parce que moi j'en veux pas de 3 points. J'ai pas envie de me prendre de 3 points par. Parce que là on se fait arty à 3 points. Voilà, j'espère que ça va changer la donne. Dans ce troisième quart-temps, ça serait parfait. Mais c'est très serré comme match. Et on reprend la tête, non? Si, ça se tire la bourre hein, ce match. Une 20 à jouer, on perd de 5 points. J'ai complètement loupé le truc. Franchement, je pense qu'on va s'incliner. On va s'incliner. C'est bête. C'est bête, on avait un bon match à jouer. Gros match de Trevor, gros match de Gordon Hayward. Trevor Booker, je l'avais lancé. Rudy Gobert est présent aussi. Je pense que c'est notre banque à fléchir. À part Trevor Booker, Alec Burke aussi, je pense qu'il avait, il a bien été neutralisé par André Robertson. Au contraire, je pensais que c'est lui qui aurait pu. Anthony Moreau qui a pu marquer après. C'est bien, on l'avait bien bloqué, c'est dommage. Je ne comprends pas trop cette défaite, c'est dommage. Ils ont joué avec 4 intérieurs, si je me cours pas dans le match, c'est assez balèze. 4 pivots plutôt. 3 pivots, pardon. Bon, vous inquiétez pas, je fais ça parce qu'on a l'occasion de les retaper. En revanche, mais 1 minute 20, ça aurait été chaud de retenter. Mais c'est pas grave.
Alors, est-ce que là, Duran va être de retour? J'espère pas. J'espère pas. Mais du coup, notre série, ah, c'est dommage que oui, notre série du coup s'arrête net face au Thunder diminué. Mais bon, c'est quand même le Thunder. Faut l'avouer. Pourquoi la simulation bug? Alors, faut savoir que je joue après le patch numéro 3. Et c'est la première fois que je rejoue avec, donc ça se peut qu'il y ait des bugs. Là, je sais pas ce qu'il me fait. Arrêter la simulation. On va attendre la fin du chargement. Qu'est-ce qu'il me fait? Oula! Qu'est-ce qu'il me fait? Alors je sais pas du tout ce que c'était ce bordel. On est de retour les amis. Alors j'ai pas trop compris. Mais on a gagné. J'ai pas compris ce qui s'est passé. J'ai resimulé. Mais c'était quel match? Et on les a explosés. Ah, c'était l'autre match? J'avais dû faire simuler avec avec l'autre truc. Si je me trompe pas, on va voir ça. Mais si c'est ça, c'est ça. Du coup, bah, on les a trouvés. On les a trouvés chez eux, comme ça, bon, bah, on est kiff kiff. Donc, je pense qu'ils ouais, ils avaient eu beaucoup de chance sur le premier match, parce que là, on leur a mis une belle pété. Hein. Comme il faut. Bon, on est toujours avec un dive favor un peu. Pas énorme. Hein. Bon, c'est bien, on l'a fait tourner. On a fait tourner, tout le monde a eu temps de jeu. Et Tressat, c'est bon, hein, Tressat, il est bon. Ça fait plaisir, ça également. Et Rudy Gobert qui score également. Alors on va attaquer les Spurs là qui sont bien plus haut que nous au classement. Ça c'est sûr et certain. Du coup on va faire un truc au pire que je faisais pas du tout avant. On va se concentrer là-dessus. Écran sur le porteur. Passer devant. Je réfléchis. Ouais, passer devant. Manu, est-ce qu'on le suit? Ouais, serré. Patrick, mais. Pas timide plutôt. Ouais, Kyle Anderson, on s'en fout un peu. Matt Bonner, au cas où qu'il le fait jouer. Hein. On va voir s'ils sont des joueurs blessés. Non, ils ont aucun joueur blessé, ça me fait peur. On va partir comme ça. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc on joue chez les Spurs à San Antonio à la TNT Center. Attention, c'est jamais facile de jouer à la TNT Center. Ah, c'est très serré. C'est Gordon Hayward qui fait un gros match avec un Trevor Booker au top. Alors, on va faire comme ceci. Chez eux, c'est qui nous fait un. Ouais, c'est la Marcus qui nous fait mal. En même temps, on a pas de joueur pour défendre sur la Marcus. Hein. Pas facile à défendre la Marcus Aldridge. Mais alors, vraiment pas facile comme joueur. Ah, on prend. Ah, on a pris l'eau. On a pris l'eau. Et c'est le banc qui est le banc d'espoir. Parce que juste énorme avec un David Osmir marqueur. Pourtant, la Marcus, t'as 5 fautes. C'est dommage. Si on a la balle, ça peut le faire. Alors on met un petit 10-0 là, un petit run de 10. Oui, bah un petit run de 10 simplement, du point les 15 cartons.
Ouais, dommage, on a pris vachement dans le troisième quart-temps, c'est là où souvent le banc fait effet. Et le problème, c'est que les Spurs, c'est leur force. Et c'est tellement une force sous-estimée, le banc. C'est parti ici donc à la TNT Center. 4 points d'écart, on a un temps mort, ils en ont pas de temps mort, on est dans le bonus, ils n'ont pas de bonus. Il y a une seconde à jouer, le défi c'est de gagner. Ok, Tipeee qui nous met ça sur notre tête comme ça. Ça va pas le faire tout de suite. On va juste activer un truc. Moi sincèrement je vous le conseille, activer les tactiques. Dispositif offensif comme ça. C'est vachement pratique. Rudy Gobert qui explose la tête de David West. C'est moi ou il n'y a pas d'ambiance dans ce match? Ah si, là ça se réveille. Parce que c'est quand même une salle en vrai où il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Non, mais Tipeee, faut le stopper. Oh là 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 là. Tipeee qui nous fait son Tipeee show. Eh ouais. Bon bah attendez, on peut peut-être le jouer au physique. Oui, la faute London Gordon Clutch Award. David West qui sort, Kyle Anderson qui rentre. Ouh, étonnant. Coaching très étonnant de la part de Greg Popovich. Du coup, sans la Marcus qui a dû faire 5 fautes. Qui a dû faire 6 fautes, pardon. Oh là là, Tim Duncan. On se rappelle l'année dernière, il y avait eu un beau duel là-dessus. Non, sortie de balle! Non! Qu'est-ce qui s'est passé? Non! Oh, le bug. En même temps, le mec fait du 56. Grepovic qui est indécis là. Il fait rentrer Babak. Ah non, là par contre, si on perd le match là-dessus, je vais m'en vouloir. Ah, je vais même pas m'en vouloir parce que c'est pas de ma faute. C'est pas moi. Oh là 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 là, j'aime pas quand ils arrivent. Non non, Tipeee Tipeee Tipeee, faut le stopper. Il cherche Tim hein. Pas de faute. Quoi? Comment il nous met ça? Comment il marque ça? La faute. Le deuxième end one. Oh, Gordon qui est en train d'écraser Tipeee. Non. Non, mais c'était obligé ça. Non, 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 non. Oh là là, mais la réussite insolente qu'ils ont là-dessus, par contre, c'est n'importe quoi. Ah là, je suis dégoûté. Yes, Gordon. Un stop, ou c'est la merde. Un stop, ou c'est la merde. C'est aussi simple que ça. Un stop, ou c'est foutu. Non mais par contre les paniers là, faut bien jouer sur Team. Non, mais pourquoi y a pas faute? Non. Non, mais là-dessus y a jamais faute là-dessus. Ah tiens, il est sorti lui. Ils ont pas le droit de siffler les fautes là-dessus. Oh là là, je suis deg. Oh, Pierre l'a lancé. Tout à l'heure, Gordon il l'a atteint aussi. Ah, Gordon il a 83 lancé. Prenons le temps mort maintenant ou pas? Je pense que non. On va le garder. Ils sont sortis. Oh non, Trislice, non! Mais j'ai jamais mis. Oh putain. Comment? Ah, oh, le match nous échappe. Ah, oh, le match nous échappe. Pour que dalle. Le match mais nous échappe, mais pour que dalle. C'est.
Ah, c'est dommage. C'est dommage, on pouvait, je pense. Si Gordon Hayward avait géré son lancer, c'était jouable. Malheureusement, la chance n'était pas avec nous, parce que là, c'est clairement de la chance. On avait fait un bon timing et. Et ça l'a pas fait, c'est aussi simple que ça. Bon, on va même pas prendre de tir, ça rien. Ah, c'est dommage! Ah, je suis. Je suis pas bien là. Je suis désolé, là, le contact était peut-être un peu trop. Objectif, mais là. Ah, je voulais aller chercher cette victoire. Le pire, c'est que bah, Rudy Gobert il sort pour la faute imaginaire. Il fait une grosse défense, Duncan, il rentre son shoot. Ah, on n'a pas été chanceux. Franchement, on n'a pas été chanceux dans ce match. Dans cette fin de match. Ça, c'est sûr et certain. On va continuer du coup notre autre trip. Ou enfin, notre série de gros matchs. À l'ouest, c'est quoi? C'est les Pelicans qu'on va enchaîner, je crois bien. C'est quoi ça? Mais n'importe quoi, on a sorti un troisième carton. Vous avez vu ça? C'est du gros foutoir. .129 à .100. Là, sincèrement, on peut dire qu'on obtient sans doute un gros match référence. On va voir les stats en détail parce que là, c'est quel plaisir de voir une belle pâtée comme ça. Oh là là, en mi-temps 60. Aussi 23 points de Joe Ingles en seulement 20 minutes,
22 points de Gordon Hayward, 16 points, 13 points, 12 points, 11 points, 9 points. Voilà, c'était vraiment une belle victoire d'équipe et surtout défensivement, je pense. Anthony Davis qui a complètement été stoppé net. De l'autre côté, c'est Alexis Ajassa qui fait un gros match. Et Luke Babbitt aussi a été stoppé 1 sur 4 à 3 points. Bah, ça fait plaisir, une belle victoire comme ça. On attaque maintenant les Nuggets. Alors, c'est renommé statut. Chris Johnson, tu as toutes les promesses. Bah, le quoi. Bah, en même temps, il n'y a pas d'entraînement, gars. Oui, bah, c'est bon, là, tu veux bien te barrer. Quelle promesse nous avons pas tenu? Si c'est les entraînements, excuse-moi, mais c'est bugué dans ce cas-là, puisque. Il n'y avait pas d'entraînement entre temps, il est couillon lui. Bon, on va lui remonter son moral, allez. Ouais, c'était ça, c'était encore sur la même chose. Hein. C'est parti donc, face aux Nuggets de Denver. Attention parce que peut-être qu'ils ont des shooters, je fais attention, mais. Wilson Chandler va peut-être le serrer. Jamar Nelson aussi, Randy Foy aussi. Ah, ça va être à l'intérieur que ça va être dur, je pense. Ça va être à l'intérieur. À l'intérieur et l'ami Moundey. Moundey. Oh, ils ont plein de BC, ils ont Nikenes. Oh, bah d'accord. Ah, les gars, là vous êtes obligés de gagner. S'ils gagnent pas ce match, là je comprends pas. Ouais, ça va. Oh non, attention, on avait fait un écart malheureusement. Pauvre fou, on a mal géré. C'est le troisième carton, bah voilà. Je sais pas qui fait un putain de troisième carton à chaque fois, mais. Attention, attention, ils reviennent. Oh, 4 secondes à jouer. Ouh, 4 points d'écart. C'est fini. On a été invité. Le petit suspense que je vous laisse. Oula, qu'est-ce qu'il nous dit lui? Gordon Hayward s'est blessé. Non. Period tibia gauche. 2 à 4 semaines. Non. Pas maintenant. Non, on va pas le forcer à jouer. Hein. Est-ce qu'on laisse? Enfin, tu vas essayer de jouer une glace. Et c'est Elijah Millsap qui va prendre le temps de jeu aussi dans ce cas-là. On va faire comme ceci. Enfin, pas énormément, on va surtout faire jouer. Oh, quoique, je ne sais pas s'il aura besoin de jouer. On va limite jouer avec un de moins. Au pire, ça va être. Ouais, bah, au pire, on se fera comme ça. Ça va passer tranquillou. Voilà, puis 6 minutes de mini-échappe. Ah, ça fait quand même mal. Bon, heureusement, on a passé le plus dur, j'ai envie de dire. Mais bon, quand même, ouais. Ça fout un peu mal tout ceci. Bah oui, les promesses, mais ils sont cons aussi. Y a pas d'entraînement, c'est normal, les gars. Ils veulent quand même pas que je mette un entraînement après un match au OKC Spurs, quand même. Là c'était une question de dureté d'entraînement, c'était pas une question de d'en avoir plus souvent. Ah, ils sont pas clairs sur leurs propos. Hein. Puisque notre arme offensive Gordon Hayward n'est plus là. Et le banc John Glass n'est plus là également. Ouais. Mais on a l'air de tenir. Euh,
Ouais, 20 points d'écart, là, ça fait très très mal. Ça va pas le faire, non. J'ai très peur. Oui, record en quart de qui? On va faire voilà, comme ceci. Voilà, faut espérer encore que. Parce que c'est le premier, la première mi-temps, on l'avait géré face aux Suns. Mais bon, le problème, c'est que c'est sur la durée, quoi. Et bah là, voilà, le banc, il fait le taf du côté des Warriors. Il fait voir aussi, je ne mets pas beaucoup de temps de jeu. C'est pas très malin ça. Oh, attends, René, t'as peut-être trop de temps de jeu. Allez, faites-moi rêver, les gars. Faites-moi rêver là. 42 points inscrits par les Warriors. Ah la pété qu'on se prend. On a craqué. On a explosé. Carrément fin de match. 18 sur 33, 3 points. Bah, 1 sur 10, nous, 3 points. Là, on peut applaudir, les gars. Là. 1 sur 10, 3 points. Non. Ils ont jeté à plus de 50% du match. Oh là là, le match catastrophique pour nous. Et le banc n'était pas là, encore une fois, à part Trevor Booker. Mais. Si, ça Renault sera bien du banc, mais. Ouais bah c'est sûr que c'est pas la même hein, sans notre ami Gordon Hayward. Bon, on garde toujours notre cinquième place de la conférence, on avait un peu plus de... On avait assez de marge. Est-ce qu'on peut aller voir par hasard, pourquoi pas, un joueur qu'on pourrait choper? Bah tiens, on va en rester là-dessus les amis. Je vais vous demander votre avis. Laissez dans la barre des commentaires. Si vous serez à ma place, si vous êtes à ma place, est-ce que vous signez un agent libre, montez en trade ou laissez comme ça, au risque de lâcher quelques victoires, sachant que le calendrier s'allège après. Dites-moi le commentaire vous ce que vous ferez à ma place. Et sur ce, oui, du coup, bah, sur ce, on va se quitter sur cette fin de vidéo. Bon, ça va, on a joué, on a plutôt limité la casse. On fait quoi? 3 victoires, bon, 4 défaites. Mais on reste toujours à 5ème, moi ça me va. C'est une très bonne place. Je m'attendais pas à mieux, sincèrement. Mais c'est pas fini, bien sûr. On est qu'à la moitié de la saison. Bon, même loin de la moitié, pardon, j'ai n'importe quoi, moi. Loin de la moitié. Et sur ce, on se retrouve donc. Très prochainement pour l'épisode 5. Ciao tout le monde, peace.